deux personnes échangent sur vous. Oui. On leur a demandé, ce sont vraiment des proches, hein, on leur a demandé, c'est exceptionnel, de parler de Charlotte. Alors, si je vous dis Jen. Ah oui. Là, et si je vous dis Yvan. Ah oui. Ah. Non, Yvan, je ne savais pas, mais ma mère, je savais. Oui, mais Yvan nous avait promis, effectivement, de tenir ça secret. Et tous les deux, ils croisent leur regard sur vous, Charlotte. Il y avait Sammy Frey qui m'avait dit une fois, on était à Thoiry, et on suivait un zèbre. Et il a dit, c'est Charlotte. Et quelque part, oui, cet animal extraordinaire qu'on n'aurait pas pu inventer avec ses rayures aussi exquis, il avait raison, c'était Charlotte. La première fois que je l'ai vue, c'était pour un film de Rochamps. Tu m'embrasses ? Ouais. J'entends pas. Elle était très, très, très timide. Elle n'a pas dit trois mots. Pendant tout le tournage, elle n'a pas dit quatre mots. C'était un gag avec Rochamps. D'ailleurs, on se disait, celui qui arrive à lui faire une phrase complète ou tirer un sourire, c'est un héros, quoi. Elle voulait pas dire des conneries. Donc, elle préférait s'abstenir, écouter les autres. Et c'était une attitude tout à fait inattendue. Enfin, c'est pas une fille totalement extravertie, mais elle a progressé quand même. En tout cas, ça n'empêchait pas en privé d'être celle qui déconne. Et je pense celle qui a envie de se mettre en danger. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est protégée pendant très très longtemps. Elle a beaucoup vécu quand même, Charlotte. Elle a été témoin de pas mal de vertiges. Évidemment qu'elle a été gênée par ça, j'en suis sûre. Elle avait peur de rien. Donc elle n'avait pas peur de son père. Elle le tournait en dérision. Il avait un petit peu peur d'elle, tout comme moi. Elle demeurait toujours mystérieuse pour moi, mystérieuse. Et je pense que ça fait partie de sa grande charme aussi, c'est qu'on n'a jamais assez d'elle. Et vous vous rendez compte, ça fait à peu près 27 ans que je vis avec elle. Je peux plus facilement vous parler de ses défauts que de ses qualités. Je suis encore là, donc c'est que je l'aime. Je sais pas si elle est humble, pas plus que sais-je, très très similaire. Je pense qu'il ne supporte pas les médiocrités, ni l'un ni l'autre. Je trouve qu'elle a mûri professionnellement et puis voilà, elle a trois enfants, c'est plus une enfant quoi. Puis je lui ai apporté moi tellement de choses. Quoi? Pas demandez-lui. Hein. Là, elle montre ses cartes. C'est une grande joueuse de cartes, hein, il faut pas croire. Et en plus, elle aime gagner. Là, elle a montré ses cartes. C'est bien. Je vais faire Charlotte Gainsbourg là en fait. Voilà, voilà, elle m'a transformé d'habitude. Moi, je suis très, très bavard, je balance, je dis tout, etc. Et en fait, voilà, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait rester quand même très, très pudique. Voilà ce qu'elle m'apporte. Beaucoup pardon, Charlotte.